c'est Bill Vente, je suis de Montréal, Canada. Je fais de la robotique depuis plus de 20 ans et je suis aussi professeur à l'Université Concordia à Montréal. Oui, en ce moment, je suis en train de monter l'expo pour le show Soft Metal au Centre des Arts d'Enghien. Et bon, c'est une expo qui comporte quatre installations différentes, quatre installations robotiques, dont l'araignée géante Mega Hysterical Machine, cinq petites Hysterical Machine, et puis deux autres installations, Red Light et DSM-6, qui est en fait la plus dernière, la plus récente œuvre en robotique. Dans ce que je fais, il n'y a pas vraiment de message particulier. C'est pas une œuvre à message comme tel. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est ce que les gens peuvent interpréter dans ce qu'ils voient, dans l'expérience qu'ils ont en visitant l'expo. C'est sûr que ce qui m'intéresse, par contre, c'est qu'ils aient l'impression que les machines ont une certaine vie, une certaine conscience, une certaine autonomie. Par le comportement que ces robots-là ont en face des gens. Donc, une espèce d'impression de vivant. Peu importe ce qu'ils voient, s'ils voient des danseurs, des araignées, des animaux. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils aient l'impression d'être en face de quelque chose qui a vraiment sa propre vie. Je vous invite à venir voir l'expo. C'est quelque chose que vraiment ça se décrit pas en vidéo, ça se décrit pas du tout. Il faut être en face de la machine, il faut la voir, il faut la sentir, il faut vraiment avoir l'expérience de l'interaction pour avoir le vrai feeling de l'installation.